Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Aujourd'hui, j'ai pigé la rupture. Aïe, 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 hier c'était la séparation et aujourd'hui c'est la rupture. Donc pour certains d'entre vous, vous devez comprendre quelque chose, n'est-ce pas, avec la situation que vous êtes en train de vivre. La rupture, c'est la division, un conflit. La rupture, c'est le divorce, le déchirement, la séparation. Voilà, comme elle le dit, cette carte, elle évoque évidemment des conflits, n'est-ce pas, quelque part, des désaccords. Et ça peut être aussi la fin d'un cycle. En tous les cas, elle indique qu'une séparation affective risque fort d'être définitive, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous. Encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Sur le plan professionnel, cette carte, elle présage de difficultés. De difficultés où ça peut être une perte d'emploi. Et de façon générale, elle apporte de l'instabilité, cette carte, et elle symbolise des déchirements, de la peine. Vous êtes peut-être en train ou vous vous apprêtez à vivre ou pleurer la perte de quelque chose ou quelqu'un auquel vous étiez très attaché. Peut-être que maintenant, dans votre couple, la rupture est entamée. Et ce n'est pas parce que la rupture est entamée que vous n'aimez pas encore, vous n'aimez plus cette personne, peut-être que vous aimez encore cette personne et que c'est là la difficulté, parce que vous aimez encore cette personne. Alors le cœur parle et le mental ne parle pas. Donc, c'est très douloureux quand c'est le cœur qui prime, n'est-ce pas? Mais pensez à ce que vous avez vécu ces derniers mois et peut-être ces dernières années pour ceux et celles qui étaient en couple, peut-être que vous viviez ensemble mais séparés, qu'il n'y avait plus de dialogue, qu'il n'y avait plus de complicité, que vous viviez peut-être comme des étrangers et que là-bas, il y a une décision à prendre et que ça va vous faire mal. Bien sûr, toute rupture fait mal, n'est-ce pas? On en souffre, même si on n'aime plus la personne. Voilà, il y a un lâcher-prise à faire et là, la difficulté, n'est-ce pas? De faire ce lâcher-prise sur le passé. Et si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas continuer votre chemin, n'est-ce pas? Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder et ce qui est le mieux pour vous. Évidemment, lors d'une rupture, un éloignement... c'est toujours très, très douloureux, n'est-ce pas? Et au point de vue couple, au point de vue sentimental, maintenant, si c'est au point de vue de votre travail, il y a quelque chose qui s'est passé et que ça ne va plus ou que ça ne va pas. Donc, vous pourriez peut-être avoir la perte de votre emploi ou vraiment des grandes difficultés au point de vue de votre de votre emploi, n'est-ce pas? Alors, on vous invite de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car évidemment, ce qu'il y a après, ben, ça sera un commencement d'un nouveau cycle, peut-être, certainement, et il y aura des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous perdez. Allez de l'avant et dites-vous que, voilà, vous avez peut-être que ce cycle est terminé et que vous allez entamer un nouveau cycle. Je sais, c'est pas facile, que ça soit aussi au point de vue amical, au point de vue des enfants, il y a peut-être une rupture qui va se faire. En tous les cas, la carte de la rupture, eh bien, ce n'est pas une carte positive. Et là, on voit vraiment avec cette carte qu'il y a des désaccords, des déchirements, des conflits. Donc voilà, soyez courageux, courageuse, hein, et regardez et faites appel à votre petite voix intérieure et écoutez-vous. Ça, c'est le principal. Écoutez-vous et demandez-vous, est-ce que je suis heureux, heureuse présentement? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus heureux, heureuse? Je termine avec l'énergie divine. L'énergie, par exemple, pardon, je termine avec Ho'oponopono. Je suis tellement imprégnée dans cette carte, la rupture, voilà. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. Ça, c'est le message Ho'oponopono. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là, à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je suis avec vous pour les personnes où cette carte parlera. Je suis de tout cœur avec vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.